c'est une demande. À chaque fois, vous êtes dans l'obligation de trouver une trajectoire circulaire. Et en fait, c'est une spirale dans laquelle vous prenez votre partenaire et qui vous offre l'occasion de contrôler, mais aussi de percuter. Sur le même schéma, donc, pour l'instant. Alors, un, oui. Avec toujours la règle de rester collé. Doucement. La règle. Un. Contact. Contact. N'hésitez pas à vous déséquilibrer, emporter le poids. Donc, vous pouvez le faire comme ceci. Vous pouvez aussi retrouver comme ceci, pardon, ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc essayez les deux, soit ceci, avec beaucoup de choses comme coup de poing circulaire, passage, ou en tout cas ça, ou bien ça. Donc, 1, 2, ça c'est le corps à corps, ça c'est important. Hein. Petit coup de pied, comme ceci. Normalement, vous n'avez pas besoin. Si vous vous déplacez comme ceci, ça suffit. Ça, c'est bien. J'envoie son bras par là, mais mon cou arrive par là. Bon. Ajoutez ça. On vient avec ceci. Moi, mon but est unique. Quand il arrive, c'est boum, c'est dedans. Une seule idée, c'est ça. C'est un passage. Mais si on passe le film sans l'adversaire, c'est dedans. Mon corps, c'est directement dedans. On va aller le pied qui permet de s'attaquer au genou. En tout cas, ici, la clé, c'est de changer. C'est, du point de vue énergétique, vous allez voir, c'est important aussi, parce que ça nous permet de changer le pied en même temps que chasser. Le mouvement est un mouvement de l'énergie qui revient naturellement, c'est comme dans une spirale ou un cercle naturel, ici. Ensuite, contact, ici. Bon, je trouve, ça fait mal, attention. Un petit tir. Soignez ce qui précède le coup. Moi, je fais des choses avant parce que ça m'aide d'inscrire la percussion dans quelque chose qui existe avant, un mouvement avant et un mouvement après. Et après, on percute. Tain ! Comme celui-ci, c'est un peu direct. Il se fait à l'envers. À l'envers. Pam. Pam. Faire les deux, un, et on finit. Une fois en tout, allons-y ensemble. Dans une décharge, décharger la tension, la respiration du mouvement. Pareil. Et ça vibre toujours ici à rentrer la sensation de l'énergie. La différence c'est que maintenant c'est que le travail est à deux. Avec tout le travail énergétique que nous avons fait seul, maintenant on va faire la même chose avec un partenaire. Et il va falloir aussi écouter son énergie, la sentir. Et dans les débuts, vous allez rencontrer les mêmes difficultés que vous avez rencontrées au début pour vous-même seul. C'est-à-dire qu'il n'est pas évident dans le début de sentir l'énergie de l'autre. Pourtant, c'est ça que nous avons à faire. Dans les échanges à deux, il y a donc quatre formes d'énergie, je vais vous dire comme ça. Une énergie d'écoute, qui permet, écoute, c'est-à-dire sentir, qui va permettre de sentir ce qui se passe. On veut sentir ce qui se passe au niveau énergétique. Donc là, c'est un peu yin-yang. Ensuite, il y a
une énergie d'adaptation. Donc quand j'ai senti, quand je sens une énergie qui arrive comme ceci, je m'adapte, c'est-à-dire je relâche la poitrine, j'offre du vide, et ma posture se déforme. Une énergie de transformation, et ensuite une énergie pour exprimer sa force. Donc ce sont les quatre étapes. Hein. Contrôler son énergie, comme ça. Mais là, il y a la deuxième attaque qui arrive, vous allez contrôler comme ça. Et ensuite comme ça, comme ça. Donc faites un 8, 8, pom, 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 comme ça. Ça, c'est un premier échange d'énergie sur deux techniques, deux formes de contrôle. 1, 2, 1. D'accord? Voilà un exemple, on le fait tranquillement. Qui compte, c'est de rester tout le temps en contact. Vous voyez? On ne se sépare jamais. Ouvrir, fermer. Si j'ouvre, je referme. Pareil, je peux ouvrir, refermer, par exemple. Ouvrir, refermer. Je peux choisir de faire un S et venir. Comme ce qui me permettra de continuer à donner le coup. S. Ce qui compte, c'est le mouvement d'énergie. Et ce qui compte pour nous, c'est de pouvoir se balader dans ces spirales d'énergie en percutant, en contrôlant et de passer de l'un à l'autre très très facilement. Vous voyez, c'est simplement cette respiration qui est naturelle et qui me permettra d'aller très vite ensuite. Hein. Donc ces deux formes-là, ouverture, fermeture. Après, quand on rentre dans l'action, ce qui n'est pas le cas ici, juste on étudie comment lier ensemble les énergies tranquillement. Quand on rentre dans l'action, on change d'attention et on commence à avoir une énergie, une vitalité plus importante. Donc fermeture, ouverture, c'est le contraire. Et comme ça, ça sera. On le relais, ici, avec ta fille. Donc je vais simplement, comme ceci, me servir de ce contrôle et celui-là pour emporter la tête. En fait, coup. C'est-à-dire aussi emporter mon adversaire dans une spirale. Une spirale dans laquelle je vais retrouver, nous on appelle la posture du dragon, c'est une posture énergétique. C'est simplement à travailler le méridien de la taille qui est très important. Cette posture est importante et c'est ça qui donne de la force à nos torsions, à nos rotations. Sans violence. Hein, de passer avec tout le corps. Hein. Je vous recommande d'être prudent. Faites-le doucement au départ. 1, et ensuite, habituez-vous à pas. J'utilise encore deux formes de contrôle. L'une qui s'appelle dévier et l'autre qui s'appelle chasser. Qui va vous rappeler des choses. On peut très facilement dévier. Et je prends le relais, parce que là je suis arrivé avec cette main pour contrôler sa tête. Donc voilà comment très facilement, avec tout le corps, je peux l'embarquer dans ma spirale. Ici. De point circulaire, on ferme le corps, le sabre de main circulaire ferme le corps aussi. En ouverture, on a l'inverse, c'est sabre de main, et aussi revers, point revers ici. Et maintenant, on retourne du corps, pas. On peut tourner le corps et porter ses deux mains plus loin. Mentalement, le coup de poing direct et le coup de poing sabot de cheval, si vous voulez, le coup de sabot, où les mouvements sont comme ça. C'est deux autres techniques dans l'axe cette fois-ci, avec pas. Coup de poing retourné direct et le sabre vertical. Allez. Et les deux derniers, remontant et direct circulaire. C'est A qui permet de rentrer et éventuellement d'enchaîner les deux énergies par inversion. Et je passe le film à l'envers, donc passe à l'endroit. Et comme c'est comme si vous repassiez le film à l'envers. Donc inverser les énergies, je suis ici, hop, j'inverse et je renvoie. C'est ce mouvement de ressort comprimé et relâché, où est l'élastique. Tirer, tension, relâchement. Ça, on est dans les énergies d'inversion. Pour enchaîner, ça est envoyé ici. Donc, hop, ici. Pour pas inverser,
avec une bonne énergie de petit, grand, au visage. Et maintenant, on va voir pour la transformation, comment renvoyer une énergie qui est qui n'est pas la continuité logique, par exemple. Si je fais ici, la continuité logique de mon cercle, c'est de remonter, par exemple. Hein, sur une attaque protection en haut, je vais remonter, là je suis en enchaînement, je suis dans le cercle. Si je devais faire inverser, ça serait ça, parce que je vais monter, descendre, et balancer un coup comme ceci. Tandis qu'il n'y a aucune logique à passer de là, ici, à un coup à la tempe, ici. Rien ne m'y conduit, sauf si je transforme mon attaque par un S. Donc je vais ici faire ce S avec le coude, qui me permet sans arrêter le mouvement de contrôle, d'avoir une continuité pour balancer un coup de poing circulaire. Donc c'est ça que je vous propose de faire. Encore à toi. Merci. Allez, troisième énergie. Tirez ! Ça part. Ça peut partir n'importe comment. Tirez ! C'est-à-dire, je vous conseille maintenant là, pour pratiquer ça, de faire comme moi, c'est-à-dire de parler, il faut parler de tout n'importe quoi, de façon à surprendre et être surpris. J'ai besoin qu'il... Allez, merci. Je recherche le corps à corps, hein, donc je vais chercher à rester collé contre lui, à m'enrouler comme ça, serré, en m'appuyant sur lui, doucement, enroulé, sabre, point coude, et coude, retour. C'est plus facile ce que je fais à l'extérieur, oui, c'est ça. Vous voyez ? C'est le crochet, alors regarde. L'utilité, c'est là. Je peux très bien faire une énergie qui soit. Ça, c'est cercle. Ça, c'est cercle. Ça, c'est cercle aussi. Donc je passe le relais des mains aux pieds en utilisant la même énergie circulaire pour le contrôle, pour une première contre-attaque et pour une autre contre-attaque ici. Donc je vais utiliser la même énergie, donc c'est trois cercles. C'est tout ça, c'est que de l'énergie circulaire. Supprimez les temps d'arrêt. D'abord interne, ensuite vous amplifiez cette circulation de l'énergie, elle commence à se manifester à l'extérieur du corps, la poitrine se relâche et le mouvement commence à apparaître, donnez-lui de l'amplitude, et de plus en plus, jusqu'à la limite de votre équilibre, de plus en plus, vous pouvez jouer donc sur l'intensité, vous pouvez jouer sur la vitesse, vous pouvez jouer sur l'amplitude. Et on recherche effectivement un mouvement qui soit toujours, vous pouvez être toujours à une limite de votre équilibre, c'est-à-dire grand cercle où je plonge et petit cercle ici. Donc vous allez vous exercer chacun. Lancez le cercle, tirez. Avec un saut comme si vous tombiez sur votre partenaire, et ensuite on attaque le menton. Merci, on y va. Et on va faire ce mouvement. C'est une respiration artificielle. On pousse vraiment. Allez, ça.
Donc au moment où il me pousse, c'est comme si vous faites respirer quelqu'un. On entend ça parce que l'air qui est au fond des poumons est expulsé. Donc il va vous faire respirer votre partenaire. Quand il appuie ici, au lieu de résister, je cède. Et après, à mon tour. Et ça fait une vague. Allez. Donc je vais me déformer à chaque fois. C'est ce que je vous propose de faire. Mais bon, c'est parce que je dois. C'était pour travailler à la carte. Attends un peu. Circulaire, à condition que le mouvement parte. Beaucoup d'entre nous, on fait ça. Là, si vous observez les hanches, bon, il y a les bras qui sont circulaires, mais là, il y a des joueurs dans l'équipe qui partent. Et là, je lance à chaque fois. Bon, beaucoup. Le problème, c'est d'arrêter. Donc, pareil pour le sabre de la main, et l'autre côté, pareil. Vous faites les deux équivalents de l'autre côté, pas à chaque fois. Projeter mes hanches. Éventuellement projeter en tournant, démarrer. Donc très naturellement, vous avez la deuxième technique, c'est le coup de sabot du cheval, très facile à faire. Donc un, et ensuite on double. Puisqu'on récupère en cercle, il est très facile de remettre ce mouvement. Donc, un, et on tourne. C'est là, le coup dans le coup. Premier coup, vous ouvrez, parce qu'il y a une résistance, vous ouvrez la porte, deuxième coup, vous rentrez. Merci. Vous voyez, c'est autour de l'axe du coude. Pareil. C'est un coup de poing direct retourné. Donc, le coup est retourné, en fait. Hein. Mais il est frontal. Et c'est vraiment pas... Quand je retire, pareil. Automatiquement, vous voyez, si je réinverse le film, j'arrive ici, très naturellement. Donc je peux, avec l'énergie d'inversion, celle qu'on n'a pas encore vue au niveau énergétique, je peux tout à fait lier ensemble ces deux mouvements, très naturellement. Tirer et percuter 1 et 2. Bien sûr, pas la vibration, c'est toujours ça. Voilà, je peux toucher le menton et la gorge. Juste ça vibre. Ici, je vous propose maintenant juste cette technique, cherchez-la et descendre. C'est là, coup de poing direct retourné et sabre vertical. Donc ces deux-là, vous pouvez bien entendu les lier ensemble puisqu'ils sont complémentaires. Voilà, ici. Là, si votre partenaire réagit au premier, pied. Et ici, on peut arriver, après celui-là, en inversant le film. Un, deux, ou l'inverse. Hein. Donc, un. En même temps, après on change d'initiative, hein. Donc là c'est lui qui l'a, donc il porte une attaque, vous voyez, c'est ici, à chaque fois, allez, et c'est un peu comme s'il appuie sur un, ici c'est un bouton, pam, c'est karmique, hein. C'est karma, c'est cause à effet, action-réaction, c'est une certaine justice, une certaine morale, je sais pas en tout cas. Si au moment où il appuie, l'idéal c'est ça, il appuie, se bande et il reçoit la prise dans le tout au même moment, pratiquement au même moment. C'est l'idée de je pars après mais j'arrive avant. Commencez simplement avec l'objectif, vas-y quand tu veux, l'objectif de diminuer le temps de réponse. Allez. Donc je m'appuie sur, vous voyez, je m'appuie sur son bras pour envoyer le revers de poing. Fa, ici. Hein. Dans le deuxième temps, quand ça c'est au point, lui s'adapte et fait remonter. Ici. 1, 2, et on pousse. 1, 2. Donc le coup de poing, il fait coup de poing ici, abattre. Il transforme, et là, immersion, c'est-à-dire vers le bas. Et ensuite, je pousse. Mais il recommence. 1, 2, je pousse. Allez. 1, adaptation. Je pousse. 1, 2, poussez. 1, 2, et poussez. À chaque fois, vous le ramenez de là où il est. Au début même, c'est bien que ça soit clair. Il attaque une première. Juste, si je ne réagis pas, je prends le coup de coude.
Donc je m'adapte à mon tour. Au début, c'est très clair. Hop. Vous voyez là, mes mains sont parties. J'attaque à mon tour, coup de poing, il s'adapte, et coup de poing. Mais très vite, je vais aller vers la confusion, et commettre les quatre mains. Et aller, toutes les mains traînent. Hop, deux, un, deux, un, deux. Et on commence à faire bouger le corps. Et on ne sait plus qui fait quoi, ça devient confus. Plus c'est confus, plus on est en chaos, mieux c'est vite quand on a fait sur une attaque. Donc, peu importe. Il y a petit et grand, il y a souple et ferme, dur, il y a léger et lourd, il y a lent et rapide. Donc il y a aussi un rythme. Quand vous contrôlez une percute, la percussion est plus rapide que le contrôle. La percussion peut être un peu plus ample parce que je vais chercher jusqu'au visage, tandis que là, j'ai juste à contrôler ici. Donc vous allez jouer sur ce qui est petit et sur ce qui est grand, pas tout pareil. Ce qui est plus lent et ce qui est plus rapide, nous donner un rythme. Ce qui est léger, ce qui est souple et ce qui est dur. Il ne faut pas renverser, il ne s'agit pas de frapper durement sur l'attaque pour se défendre, et puis de faire une attaque qui soit molle. Donc il s'agit de mettre les choses en ordre. Deuxièmement, il y a des distances. Vous êtes proche ou loin. Donc première distance, je suis ici. Juste, je me déforme au niveau de la poitrine. Et deuxième, il vient me chercher de loin. Alors donc, je suis obligé d'être en immersion arrière. Si je fais ça, j'absorbe facilement. Le premier coup, je serai à peu près 50-50 au niveau du poids. Et ensuite, je vais le chercher. Et plus je vais le chercher, plus l'objet se déforme. Et plus on fait un travail élastique, où le corps est obligé de se déformer. Sinon, ce qui se passe, c'est que les bras s'agitent ici, les corps ne bougent pas. Donc je vous invite vraiment à bouger davantage le corps, en immersion arrière, en immersion avant. Et à varier, ceci, hein, petit mouvement, grand mouvement. Et après, on colle toutes les mains, et c'est parti. Un, deux. Je m'en vais. Les deux sont collés. Et souple, collé. Ceci, hein. Petit mouvement, grand mouvement. Et après, on colle toutes les mains et c'est parti. Hop, couille, un, deux. Le corps commence à rentrer là-dedans. Quand on va avancer, c'est vraiment à chaque fois ici. Souvent, on constate que plus de poids circulaire, ça donne ça. Le bien des hanches, les hanches. Alors que la force vient du centre, elle commence au niveau des reins, la forme spirale et circulaire, part toujours du centre. C'est l'un des deux principes. Premier principe, la force part toujours du centre, en spirale. Deuxième principe, la force est toujours là-haut. Et simultanément, projection de notre force, il y a pop, il y a une immersion, comme si vous tombiez dans un trou, subitement, un trou profond, trap, se dérobe, hop, et vous tombez. Donc c'est simultanément cette immersion et simultanément la projection de la force. J'envoie dans la matrice énergétique le poing, le coude, ou bien le pied. Je peux faire soit le coude, je suis dans l'énergie circulaire, puisque cercle, mais aussi utiliser mon pied à retourner. Faire ça sur le coup de poing, mais faut aussi, ce qui est une bonne stratégie dans le combat, m'enrouler. Je vous donne des exemples, hein. M'enrouler dans son attaque. Essayez de rester en contact, tout le temps. Corps à corps. Donc l'idée, c'est à partir d'un contrôle, comment est-ce que je peux transformer. La logique d'enchaînement signifie que je vais être dans un cercle. Donc je fais le cercle, je contrôle, je continue mon cercle, j'arrive à dire que le mouvement monte et descend. Vous voyez que dans la logique d'inversion, je monte et je descends. Donc je devrais taper ici, dans le visage. Dans la logique d'enchaînement, je monte et je continue mon cercle, donc je tape toujours verticalement. Mais comment passer d'une énergie qui est verticale, par exemple montante, pour aller percuter la tempe ? En faisant un seul mouvement, mon talon va le faire sur ça. C'est là où j'introduis un S et je peux rentrer là. Donc contrôler, pas.
via un S au niveau du corps. Et ce S se fait par un effondrement de la poitrine. Donc exercez-vous à ça. Aidez-vous du souffle pour accompagner le mouvement. De rentrer. De rentrer. Sur un coup de poing ici. Là, je suis normalement en circulaire. Si je fais enrouler, c'est un cercle comme ça, dans lequel je capture l'énergie de l'adversaire et je lui renvoie dans le cercle de manière continue. Maintenant, il y a transformation. Il peut y avoir transformation au niveau du poignet, au niveau du coude, on l'a vu, au niveau des épaules, au niveau du corps tout entier. La taille est au capture de l'attaque, et ici, transformer. Transformer en petite spirale. Cette petite spirale vous permet non pas de renvoyer le poing de mon circulaire, mais de renvoyer ça avec la main. La deuxième transformation que je vous propose, c'est après ici, c'est là. Il va y avoir, un 8 entre le coude de sabre et le coude de sabre en revers. Coup de sabre circulaire. Vous voyez, la main, le bras fait 8. C'est donc, à partir du moment où on a 8, on reste, c'est une énergie spirale. Donc ça donnera ceci et ceci. Aïe, ça aïe, ça aïe. En fait, vous avez le choix entre vibrer dans la catharine ici. Je peux vibrer sur 1 cm, ça, vibrer ici en contact, ça. Donc il faut que j'ai déjà cette capacité à être encore suffisamment puissant, en fait, de relâchement. Encore suffisamment disponible pour vibrer. Ensuite, je vais choisir le rythme, l'intensité, l'amplitude. Donc je peux parfois ça, vibrer en contact, mais aussi vibrer avec une amplitude beaucoup plus grande, mais jusqu'ici, pour que le mouvement soit plus grand. Ici, donc, et ensuite, une de ces vibrations va monter. Donc ne restez pas uniquement scotché contre son bras, mais laissez les mouvements de cisaille se faire jusqu'à votre propre corps. Et après, renvoyez l'énergie. On y va. Alors, ça veut dire que c'est tout le travail de relâchement, les techniques de relâchement, les techniques qu'on a déjà vues, en relâchant le bras, en relâchant le lit dans les jambes, y compris la tête, tout ça c'est important, de pouvoir vibrer régulièrement, tous les jours, et de s'ébrouer comme un animal. Donc il y a cette idée de comment font les chiens, vous voyez, on a l'impression que leur peau est détachée, elle tourne tout seul, transmettre une onde de choc. Donc j'ai besoin de ça. Rien n'est fixe, tout est mobile. Je donne le coup de coude, au lieu que ça soit comme ça, ça va être, je vais d'abord. Il y a un effondrement au niveau de la poitrine, il y a cette transmission ici. Alors on va faire un petit peu ça. Relâchez, provoquez juste une vibration devant vous, qui n'a pas de forme, mouvement et qui relâche cette inversion des énergies. Je rentre ici. Vous voyez, c'est le même mouvement techniquement. Mais dans son exécution, dans le contrôle, je dois absolument rentrer et sortir dans un mouvement qui vibre. On brise de l'énergie ici, sur la même vibration. Comme si je faisais 1, 2, ou ici. Mais ça va être d'abord le pied et le poing. Je suis dans la même logique d'attaquer ce point, transformer mon poing en main, ça. Et ça permet donc d'avoir très naturellement, c'est dans une seule énergie, qui va vibrer, deux techniques, c'est-à-dire deux. C'est le coup dans le coup. Le premier coup ouvre la défense, et le deuxième coup fait l'air. Mais pour le réaliser, sans que ça soit un enchaînement de techniques, j'ai besoin de rentrer. Aidez-vous du son, aidez-vous du souffle pour accompagner le mouvement. Ça vous fait...